Bonjour, je m'appelle Stéphanie. J'ai comme profession une profession dans la banque, donc rien à voir avec l'hypnose. Et j'ai souhaité donc intégrer le groupe de formation sur l'hypnose quantique fréquentielle de Laetitia pour un but de développement personnel d'abord. Et ensuite pour pouvoir diffuser autour de moi tout le bien-être et la bienveillance que Laetitia nous communique dans son guide de vie, de par sa méthodologie et la complexité de tout ce qu'elle nous transmet pour pouvoir adapter l'hypnose dans notre quotidien. La formation que dispense Laetitia aujourd'hui s'adresse à n'importe quelle personne qui aujourd'hui aime l'humain et est capable de se sentir guide pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Et ce qui est le plus important dans cette formation, c'est le collectif et surtout les clés que Laetitia va donner pour pouvoir aborder le thème de l'hypnose, aussi complexe soit-il, dans une facilité déconcertante et avec une application qui touchera, je suis sûre, tous ceux qui en auront besoin. Moi, j'ai déjà fait de l'hypnose, d'autres cours, et j'avoue que j'avais peut-être la théorie, mais j'avais pas l'élan, la structure pour vraiment me lancer. Et je sens que je suis beaucoup plus remplie, beaucoup plus investie parce que j'ai plus de cadrage, plus de remplissage pour me donner toute la force et surtout, pas la motivation, mais quelque chose qui me rend plus forte de le faire. Et donc voilà, j'encourage vraiment toute personne qui a envie d'accompagner les gens dans l'hypnose de faire cette hypnose. Qui est très particulière et qui est très complète, qui touche tous les niveaux de l'être. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis facialiste holistique, donc je suis déjà dans le domaine du soin que j'apporte à l'autre. Et l'hypnose est arrivée dans cette évolution aussi professionnelle comme un nouveau canal en fait, pour permettre justement un développement dans une approche globale de bien-être. Et alors, ce que j'ai surtout apprécié et vécu au cours de cette formation avec Laetitia, c'était à travers toute la générosité de son partage d'expérience, véritablement de voir toutes les facettes de l'hypnose et même de la découvrir. Pour moi, ça a été une véritable découverte, cette pratique de l'hypnose, cet enseignement de l'hypnose. Et je n'avais pas d'idée préconçue au départ de ce que j'allais pouvoir en faire dans ma pratique professionnelle. Donc c'était aussi une démarche personnelle et de développement personnel de m'inscrire à cette formation. Et en fait, c'est vrai que plus on avance dans cette formation avec Laetitia, plus on reçoit en fait un petit peu l'énergie aussi de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces outils, parce qu'ils sont nombreux. Et comme je le disais, Laetitia nous a partagé toute sa pratique avec une grande générosité. Donc, la particularité aussi de cette formation, c'est un apprentissage où chacun va développer sa manière de proposer l'hypnose de manière authentique en fait. Donc voilà, et je la remercie pour cette rencontre et je suis ravie d'avoir partagé ça aussi avec le groupe que nous avons constitué. Bonjour à tous, donc moi c'est Karine, je suis venue à rencontrer Laetitia par le plus grand des hasards. Je suis aide-soignante de formation, j'ai un métier qui me tient énormément à cœur et je souhaitais me diriger vers une autre approche du soin. L'hypnose me parlait profondément, mais je n'ai jamais été en hypnose, je n'ai jamais côtoyé quelqu'un qui faisait de l'hypnose. Donc c'est quelque chose qui m'a appelée et Laetitia est venue à moi par le biais d'une collègue, mais par le plus grand des hasards. Donc je découvre lors de cette formation l'hypnose la plus complète. Je suis agréablement surprise parce que ce sont des mots qui sont à la portée de tous. C'est une formation qui est ouverte à tous. Et même si vous êtes la plus novice telle que moi, vous arrivez à comprendre quelque chose et vous arrivez à un résultat au bout du compte, et je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on ressort de là, on n'est pas frustré, on a l'impression d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc pour ça, je remercie Laetitia.